Bienvenue sur la chaîne Coin Atlantis, la chaîne des pièces anciennes et rares. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche d'abonnement jusqu'à ce que vous receviez toutes les nouveautés sur notre chaîne. La description. 1964 SMS Kennedy $1000, SMS SP 67+. Numéro le plus rare de la série. Seulement environ une douzaine de pièces connues. 1964 50C SMS SP 67+ PCGS. Le demi-dollar Kennedy de 1964 spécial Mint 7 est de loin le numéro le plus rare de la série, une pièce convoitée avec une histoire énigmatique. Les centimes SMS de 1964 à un demi-dollar pourraient être appelés plus précisément des pièces SMS finish que de véritables pièces SMS, car elles n'étaient pas le produit d'ensemble officiel. En fait, le public numismatique ignorait leur existence jusqu'au début des années 1990, lorsque des groupes de pièces ont commencé à apparaître dans les catalogues d'enchères de Stack. Les premières théories suggéraient que les pièces énigmatiques provenaient de la succession de la directrice de la monnaie Eva Adams, qui a joué un rôle déterminant dans la production initiale des demi-dollars Kennedy, mais la pensée moderne est qu'au moins la majorité provenait du marchand de pièces new-yorkais Lester Merkin. La plupart des exemples sont échangés dans le cadre de transactions privées, souvent sans que des documents officiels soient conservés, et il est rare que des exemples apparaissent aux enchères. Les 100, les nickels, les 10 cents et les quarts de 1964 avec la finition SMS sont plus souvent vus que leurs homologues d'un demi-dollar. Notre liste de demi-dollars SMS confirmés de 1964 ne comprend pas plus d'une douzaine de pièces différentes, ce qui est un décompte qui est resté constant ces dernières années malgré l'habitude de ce problème d'être réutilisé et transféré à un service de classement différent, gonflant les rapports officiels sur la population et modifiant la dispersion des grades. Les marqueurs de matrice d'un demi-dollar SMS Kennedy de 1964 confirment facilement l'identité des exemples connus, reverse. Une ligne de polissage particulièrement lourde s'étend de la pointe inférieure droite du petit empattement central et N.O.F.A.A.M.R.I.K.A. Une autre ligne de polissage lourd va de la pointe inférieure droite du petit empattement inférieur du F en demi au bord près du D en dollar. Face. Un petit morceau de métal en forme de larme, ou en forme d'apostrophe, pend du dessous de la croix sur le 4, juste à droite de l'intersection avec le montant de ce chiffre. Cette pièce est probablement le quatrième ou le cinquième meilleur exemple connu, selon les connaissances actuelles sur les qualités des spécimens connus. Il affiche des surfaces brillantes et lumineuses et des détails d'une netteté remarquable, avec une myriade de lignes de polissage dans tous les champs qui sont encore plus caractéristiques des matrices SMS. Une loupe ne parvient pas à révéler des défauts notables, et même les marqueurs de pédigré sont insaisissables. Quelques minuscules vides de plancher, tels que frappés, et une fine barre filiforme apparaissent dans les cheveux juste au-dessus de l'oreille. La rareté de cette pièce et son importance pour les collectionneurs avancés d'un demi-dollar Kennedy ne peuvent être surestimées. 1964 a été une année remarquable étant donné que c'était la première et la seule fois où le demi-dollar Kennedy était composé à 90% d'argent. Cette pièce a une valeur symbolique extraordinaire, car la pièce a été frappée à la suite de l'assassinat du président Kennedy. Ce qu'il est important de savoir, c'est que le demi-dollar Kennedy est également une excellente étude de cas en raison de sa conception particulière et de ses éléments critiques. 1964 Les demi-dollars Kennedy ont à la fois des valeurs numismatiques et des lingots d'argent. L'histoire des demi-dollars de 1964. Les demi-dollars de 1964 ont un passé passionnant puisque la monnaie des États-Unis a produit pour la première fois les demi-dollars Kennedy peu de temps après l'assassinat du président peut-être le plus aimé de l'histoire des États-Unis jusqu'à présent, John F. Kennedy. Alors que la nation pleurait le président, le Congrès a pensé qu'il était temps de terminer définitivement la conception du demi-dollar Franklin et de commander une nouvelle pièce pour commémorer le président JFK. Giroy Robert est l'artiste qui a créé le portrait de Kennedy à l'avers, tandis que l'aigle héraldique au revers a été conçu par Frank Gasparo. Fait inhabituel, le demi-dollar Kennedy de 1964 était composé à 90% d'argent et à 10% de cuivre. Les demi-dollars fabriqués de 1965 à 1970 étaient composés à 80% d'argent et à 20% de cuivre. Le noyau interne était composé de 20,9% d'argent et de près de 80% de cuivre. Cependant, les pièces de 1971 et au-delà ont des couches externes de cuivre et de nickel, 75% et 25%, reliées à un noyau de cuivre pur. Ces pièces d'un demi-dollar mesurent 31 mm de diamètre et ont un bord cannelé.
Il pèse 12,5 grammes. Pourquoi tant de demi-dollars Kennedy de 1964 ont-ils été frappés? Plus de 429 millions de demi-dollars Kennedy de 1964 ont été frappés à la fois par les monnaies de Philadelphie et de Denver. En comparaison, le nombre total de demi-dollars produits en 1964 est supérieur à tous les demi-dollars Franklin produits en 16 ans. Comment cela a-t-il été possible et pourquoi cela a-t-il été fait? La réponse réside dans l'attitude du Congrès face à la crise de la pénurie de pièces dans les années 1960. En raison des prix élevés de l'argent, les gens épargnaient chaque petite pièce, que ce soit un sou ou un quart, comme investissement. Cette attitude a fait chuter lentement l'économie, par conséquent, la solution de l'État était de modifier la composition des pièces d'argent et de passer à des revêtements en cuivre-nickel sur un intérieur en cuivre. Lentement mais régulièrement, les demi-dollars Kennedy de 1965 sont passés de l'alliage d'argent massif à un noyau principalement en cuivre avec une teneur en argent de 40%. La monnaie a continué à fabriquer des pièces d'argent. Cependant, les pièces d'argent frappées en 1965 ont conservé la date de 1964 pour éviter la situation antérieure où les gens rangeaient leurs pièces d'argent. En fait, les demi-dollars en argent Kennedy 1964 et 1964D ont été produits pendant près de 2 ans. Vous vous demandez peut-être pourquoi tant de collectionneurs parlent et souhaitent avoir un demi-dollar de 1964 dans leur collection? Eh bien, l'une des raisons est leur conception. Par exemple, le détail des cheveux accentués de la version épreuve numismatique de la pièce est quelque chose d'assez unique dans le monde des pièces de collection. En plus de cela, d'autres modifications mineures ont été apportées au design de la pièce qui est plus difficile à remarquer sans connaissance dans ce domaine. La théorie principale est que Jacqueline Kennedy, l'épouse du président, voulait changer la conception initiale et a demandé plus de détails sur les cheveux de son défunt mari. Cependant, les mentes n'ont pas réussi à frapper toutes les pièces de monnaie avec les cheveux accentués. Par conséquent, seulement 1 à 3% de toutes les pièces de monnaie de preuve ont ces points forts. Si vous les trouvez, sachez qu'ils sont très rares et beaucoup plus précieux. Le record d'enchères pour un demi-dollar Kennedy de 1964, avec des cheveux accentués, était de 9 400 $ en 2013. Combien vaut un demi-dollar SMS de 1964? Le record d'enchères pour la moitié SMS Kennedy de 1964 est de 156 000 $ pour un spécimen classé SP68 en 2019. Curieusement, d'autres dénominations de pièces de 1964 avec la même finition sont connues, ce qui laisse supposer qu'elles faisaient toutes partie d'un ensemble de pièces numismatiques expérimentales frappées par le Philadelphia Money en 1964. Il a été vendu aux enchères le 25 avril 2019 par héritage auction frais inclus, il a rapporté 108 000 $. PCGS a un prix estimé dans le classement de 69 à 200 000 $.